Allez, ça tout le monde, c'est Azuric Piracien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 148 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Breath of the Wild à mode normal. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, je vais un peu mieux, ne vous inquiétez pas. Au cas où, on va pouvoir continuer notre aventure dans l'est de Nekluda, parce que souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait découvert le lac de Marianne, ou de Marie, de Marjane, je sais plus comment il s'appelle, dans lequel on avait, souvenez-vous, obtenu pas mal de coffres et tout ça, et on avait du coup découvert énormément de choses, et on avait aussi réussi à avoir du coup une noix Korogu, voilà, dans l'épisode, tant mieux en même temps, mais voilà, une nouvelle noix Korogu. D'ailleurs, on s'était acquitté à peu près à proximité de cette noix Korogu. C'était tout simplement un cercle qu'il fallait en fait recomposer. En fait, il y avait un cercle avec au milieu une pierre, en fait, il fallait amener dans un autre cercle, en fait, où il n'y avait pas de pierre, tout simplement, et donc, Du coup, aujourd'hui, on va pouvoir continuer notre aventure, sachant qu'on était ici. Donc, vous avez vu qu'il nous manque plus grand-chose. Donc, vous savez quoi, on va stepper directement là, parce qu'on va tenter d'aujourd'hui d'explorer le reste, genre par exemple ici. Il faudrait également explorer ce côté-là, et après, commencer à explorer le lac, enfin, la plage. Alors, je pense pas qu'on fera tout aujourd'hui, mais en tout cas, on va tenter d'en faire une partie. Je vous précise au cas où, je vais vous le dire maintenant. Salut, Villain sur Cuphead. Je vous précise maintenant que, au cas où, il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine de ce Let's Play, parce que la semaine prochaine, tout simplement, c'est un planning à thème, Dynasty Warriors. Donc, cela veut dire qu'il n'y aura que du Dynasty Warriors, et non que ce soit, il n'y aura pas de Pokémon, il n'y aura rien, c'est que du Dynasty Warriors. Donc du coup, voilà, vous n'aurez pas d'épisode de ce Let's Play, mais cela, voilà, ne vous inquiétez pas, on se rattrapera du coup de la semaine d'après, avec du coup d'autres vidéos qui paraîtront. Donc voilà, ne soyez pas trop déçus, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et puis voilà, donc les amis, c'est parti, on va tenter aujourd'hui. Alors, on va aller là-bas, ça sera peut-être logique, aller là-bas et puis après on descendra par là. On avait obtenu déjà plein de choses. Donc déjà, ouh, ah, c'était immédiat. Oh, le nombre de gelés chouchous. Non mais j'ai juré, le nombre de gelés chouchous. Cela va plus rien dire. Donc on n'a jamais visité ce coin-là. Donc écoutez les amis, on va visiter ça. Hein. On va voir est-ce qu'on peut découvrir de potentiels noix Korogu. Hein, de potentiels noix Korogu. Hein, c'est ce qu'on recherche absolument. Mais absolument. Non, j'ai appuyé sur le bouton. Il a pas voulu, je suis dégoûté. Bon, tant pis. tant pis. Du coup, alors c'est vrai que c'est ici. On va quand même visiter la petite falaise. On va visiter à partir de là. Donc, ouais, en tout cas, j'espère que vous allez bien, les amis. Pour ma part, ça va un peu mieux, le moral. Ça va un peu mieux, le moral. J'étais jamais fait du mal, je comprends pas pourquoi. Je fais attention de jamais buter des animaux. Et c'est les animaux qui me butent dans ce jeu, c'est incroyable. Oui, je vous ai dit, ça va un peu mieux le moral en ce moment, au cas où, depuis un ou deux jours, je vous avoue que j'avais vraiment pas le moral, et là, ça va un peu mieux. Enfin, un peu mieux. Oui, ça va un peu mieux, hein, mais voilà, quoi. C'est pas ça, mais ça va beaucoup mieux que ce que c'était en début de semaine, par exemple, et début de la semaine prochaine. Donc voilà. Alors, par contre, en revanche, ok, donc en fait, il y a une zone qu'on n'a jamais explorée ici aussi, en fait, ce jeu, il s'est blindé de choses. Non! Non! Mais non, tombez pas, putain! Bon, tant pis. En fait, ici, c'est une petite zone, mais de ridicule, quoi. De rien du tout. Allez. On va là. Alors, du coup, là, il y a A plus un lac avec plein d'Octorok. Voilà, on l'a vu de loin. Plein d'Octorok. Donc déjà, toi, tu vas te calmer, je te l'ai dit. Voilà, on les a calmés. Alors, le seul truc qui me fait chier, honnêtement, c'est que ça soit dans l'eau. Maintenant, voilà, là-bas. Ah, il y en a d'autres, Dr. Rock, tiens. Thank you. Bon, en même temps, on récupère pas mal de matériaux, hein. Écoutez, je dis non. Quoi? Mais il y en a combien ici? Ça fait le cinquième, putain, c'est vraiment le pulp des Octorok ici, non? En fait, ils sont tous réunis ici, non? What the fuck? Voilà. Quoi? Mais attendez, mais 6, il faut arrêter, hein. Non!
Ah merde, mon arc de dévotion, c'est l'arc où il faut que je garde absolument. Je sais pas pourquoi je l'ai équipé, mais. Tant pis, c'est bien fait pour moi. Alors, du coup. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'avais plus de vie, c'est ça? Je sais pas. Oui. Alors, lui, on l'avait fait, donc on s'était arrêté vers ici. Donc là, maintenant, on peut visiter le tour. Le tour de ces arbres et tout. Alors déjà, est-ce qu'il y a un coffre caché dans l'eau? Pour le moment, je n'en vois pas. Alors, une statue, c'est bien gentil, mais... qu'est-ce qu'elle m'offre, la statue? Y a rien du tout, hein, mais vraiment rien de chier, rien. J'aurais du mal à y croire qu'ici, il y a que des octoroks, quand même. Genre, il y a même pas une noix Korogu ni rien, c'est bizarre, hein. Alors, pourquoi pas, hein, je suis obligé de l'accepter, mais bon, ça me paraît bizarre. Bah, on dirait bien. Ouais, y a pas grand chose, hein, y a pas grand chose. Voilà. Les petits matériaux octo. Est-ce qu'on l'a déjà fait ça, il me semble, hein. Il me semble qu'on l'a déjà fait, non? Il me semble qu'on l'a déjà fait, mais bon, vous savez quoi. Ça casse pas trois pattes à un canard. Au moins le soulever pour savoir s'il y a vraiment un truc dedans, quoi. Ouais, en fait, on l'a déjà fait. Ah oui, c'était l'herbe, on propulsait tout là-haut, on se souvient. Oh oui, c'est bon, je m'en souviens. Ok, bon, ben maintenant, on va pouvoir s'attaquer à l'autre côté. Alors, c'est vrai qu'on a pas visité entièrement ce lac de Faroria. Voilà, on s'était arrêté vers ici parce qu'on ne pouvait plus visiter entièrement. Du fait qu'on n'avait pas d'autres radeaux. Là, je vous avoue que un radeau, ça m'aurait fait plaisir, mais... Oh! Laissez-le, la pauvre personne. Viens ici, voilà, laissez-les tranquilles. Non, mais non. Désolé, mais... Voilà, vous ne laissez pas tranquille. Oh, ok. Ok, t'as voulu jouer... Tu as vraiment voulu jouer. Boum! Oh, il a eu mal. Alors, du coup... Mais c'est génial! Non, non, ça suffit. Merci. Allez, relevez-vous. Fuyez, pauvre fou. C'est bon? On vous connaît ou pas? Ah oui, un scar, on le connaît. Si, oui, oui, oui. Tout ça, c'est de la faute de ma soeur. Quelle idée de venir cueillir des champignons dans un endroit pareil. Oui, ça, je... Elle est folle aussi. Hein. Et toi? Muscar, on la connaît. Des truffes max. On sait... Donc là, c'est un nouveau endroit, hein. Tout nouveau endroit qu'on n'a jamais visité. En gros, c'était arrêté à partir de là. Ouais. Bah, truffe max. J'en ai trouvé. J'en ai trouvé. Alors par contre c'est bizarre, c'était genre de statue. What the fuck, c'est très chelou, non? Ok, y a rien dedans. Ok. Allez-y, cueillez. Ça me fait pas mal, hein. Ça me sert à rien, ça te servira à rien. Bon, ouais, bon, y a... En fait, il y a que dalle, quoi. Il y a que dalle. Ouais, je fais le tour, on sait jamais, mais... Y a que dalle.
Alors, est-ce qu'il peut y en avoir dans les arbres, si on doit visiter chaque arbre? On n'a pas fini, les gars. Hein. On n'a pas fini, si on doit visiter chaque arbre. Bon, je pense pas. Ils iront pas jusqu'à là, quand même. Ah, enfin, je dis ça, mais on sait pas, hein. Le jeu, il m'étonnera toujours. Donc, attention, plus rien, plus d'endurance. C'est bon. C'est juste, mais c'est bon. Ok. Genre, pourquoi il y a un arbre tout seul ici? Genre, ce coin est suspect, non? Ce coin est très suspect, hein. Ah non, c'est vraiment juste pour ça, d'accord. Ma foi, je comprends pas. Je ne comprends pas. Petit chat, viens ici. Pas besoin. Et je sais pas pourquoi il me fait tout le temps, il me fait ça. Il miaule, comme ça. Bah, comme un mal. En même temps, c'est un mal, hein, mais. Un mâle tout le temps, il miaule souvent. Et en plus, le miaulement d'un mâle, waouh, vous pouvez pas savoir comme c'est. Je te jure. Ce petit chat. Je vous jure. Il est bête, ce chat. Il est bête. Alors là, il y a un morceau de la statue en moins. Ok. Bon, par contre, du coup, là, on va devoir visiter quand même le lac Faroria. Après, ça nous amène à un gros truc. Non, pas de titre. Pas de titre. Alors, du coup, ouais, ça nous amène face à un gros truc. Alors, l'idée est bonne ici, mais y a-t-il vraiment quelque chose? Bah, de toute façon, on n'a pas de radeau et je pense qu'on va pas avoir le choix de visiter à pied, hein. À pattes, comme à l'époque, comme à l'ancien temps. Alors du coup, je crois qu'on avait fini l'exploration. Ouais, c'était vers ici, quoi. Ah, un peu plus loin quand même, hein. De toute façon, ça se repère de loin, donc je vais quand même bien m'avancer, au moins de deux blocs, pour savoir si est-ce qu'au loin il y a vraiment rien du tout. Oh putain, un Octorok encore. J'ai un peu plus ces Octorok. Ça suffit! Cassez-vous! Sortez de ma chambre! Ok. Ouais, en fait, il y a que dalle, quoi. Allez, on va s'en passer d'un seul bloc. Ici. Ici, il n'y a rien. On fera le demi-tour et on essayera, du coup, d'aller dans des endroits convenables. Ouais, y'a rien. Y'a rien du chez rien, quoi. Ouais, c'est que en fait, ça me donne quand même envie d'explorer un peu plus, quoi. Mon Dieu, c'est quoi cette exploration? Non, c'est bon, y'a rien. Y'a rien, y'a rien. Ça sert à rien de faire ça maintenant. Tac, ici. On va juste rester au bord du lac, en fait. Enfin, au bord du lac. On se comprend, genre, enfin, au bord. Qu'est-ce que je dis? Pas au bord, mais... Non, pas vous! C'est bon, pas au bord, mais on se comprend, quoi. J'en restais là, voilà. Donc, ouais. On va en faire un autre. Enfin, au milieu, quoi, je veux dire. Ça, au moins, s'il y a un coffre, il sera détecté à droite comme à gauche. Et pour le moment, ben, il n'y a rien. Pour le moment, il n'y a rien. Donc, écoutez, on va avancer sagement, hein. On va progresser sagement. Hop. Alors, bah, je préfère quand même faire tout le tour parce qu'on sait jamais. Mais bon, c'est pas censé bugger leur système, donc normalement ça devrait pas poser problème. Let's go! Deuxième. Ah, avancer par deux, ça peut être très bien. Pour la progression, ça peut être très très bien. Allez, encore. En plus, on les espace bien, donc c'est ça qui est bien. Voilà, vraiment, on les a ultra espacés. Alors, du coup, y a-t-il un coffre? I need a chest, please. Même pas. Ça fait flipper parce que on n'a pas récupéré de coffre aujourd'hui. Oh oh. On n'a pas récupéré de coffre aujourd'hui. Donc, ça me fait flipper, honnêtement, cette histoire. Parce que cela veut dire qu'en fait on a... Ah si, on a exploré de la carte, c'est tout. Mais on n'a pas avancé de...
On n'a pas avancé sinon. C'est chiant. Non, mais laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Oh, doucement. Laissez-moi vivre en paix. Leave me alone. Non, mais c'est chelou comme zone ici, c'est pas possible. Genre, y'a rien, non, mais c'est incroyable. Je veux même pas y croire. Tellement que c'est surréaliste. Genre, pourquoi y'a un gros truc comme ça? C'est quoi ce gros truc là? Ah! Ah! Ok. On peut encore visiter en haut, donc ouais, y a plein de choses. Y'a plein de choses. Ouh, ben une noix Kuroko. Ah ben voilà, on en voulait une aujourd'hui. C'est fait. C'est fait, noix Kuroko. Non, d'une feuille, tu m'as trouvé une noix Kuroko. Cette petite noix vous a donné un Kuroko. Sans pas faire, mais il part très beaucoup pour très bonheur à la revoyure. À la revoyure. Ok, bon. Au moins, ça c'est fait. La toute première de l'épisode. Hein. Bon, au moins, ça prouve. On a un petit peu. Oh, ils auraient pu en mettre un là avec une éolienne. C'est normal que ça en l'air ça. Mais ça aurait été un bon truc à viser là. Alors, du coup, ouais, il y a pas grand chose. Hein. Bon, en tout cas, je suis ravi. Une noix Kuroko aujourd'hui. Au moins, ça prouve qu'on avance un petit peu quoi. Alors, du coup, ben, on va revenir et je pense qu'on va directement descendre. Allez, la fin, merci. C'est chelou qu'il n'y a pas de coffre, hein. Je veux pas dire, mais c'est... Ah, mais là, oh putain, non, pas toi. Clairement pas toi. Mais c'est un stand... Alors, je veux pas dire, mais genre, au milieu de nulle part, comme ça. Avec des piliers autour. Un sorcier qui tourne autour de ce rocher, c'est certainement un Stuntalus. C'est 100% Stuntalus. Alors, ça a l'air d'être un giga un Stuntalus, mais... c'est un giga... Non, non, tu m'as pas vu. Vous savez quoi, on va courir, hein. On va courir, on va juste tourner autour. Et voilà, leave me alone, non. Non, non, pars d'ici, c'est bon, je te laisse tranquille. C'est vrai qu'en plus, il faudrait du coup explorer cette zone. Oh, cette zone, il y en a tellement pour 1000 ans. Quoi. Ok. Oh oui. Alors, du coup. En fait, il me semblait avoir vu une noix Kuroko, mais je crois que j'ai rêvé, non. J'ai peut-être dû rêver. Attendez, si, c'est une noix Kuroko, ça, non? Sur ma vie, c'est une noix Kuroko. Oh putain, on va pouvoir en avoir deux aujourd'hui. Un miracle. Je pensais pas que... Honnêtement, au début d'épisode, on m'aurait dit, là, j'en ai... Il y a 5 minutes, on m'aurait dit, ouais, tu vas en avoir deux aujourd'hui. Vous aurez dit, t'es bien gentil, hein. J'aimerais, hein, mais c'est pas le cas. Oui, c'est le deuxième d'aujourd'hui. Non, d'une feuille, tu m'as trouvé, noix Kuroko. Cette petite noix que vous a donné un Kuroko, sans pas faire mille, pas qu'on trouvait beaucoup pour train bonheur, à la revoyure. Ok. Bon, ça fait plaisir. Une noix Kuroko supplémentaire, écoutez. Oh, vas-y, laisse-moi tranquille, deux sorciers. Je te veux pas, donc ne me fais pas de mal. Bon, bah écoutez, vu qu'on se rapproche dangereusement vers le pont, on va du coup pouvoir partir. Oh, attendez, mais est-ce que... Oui, Truffmax, je les ai prises en photo. Alors. Ah, ben voilà. Vous voulez un coffre? Non, tombe pas. Oh, j'ai un seum. Oh, mais non, ça va. Oh, oh, what the fuck. On voulait un coffre? Ben, on en a deux. Ah, ben, des dents, c'était pas prévu, ça, tiens. S'il te plaît, attendez, on va péter lui. Non! Pas de conneries, s'il te plaît. Oh putain, on va te baiser là. Stop. Lève-toi. Voilà.
Bon, bah, deux coffres aujourd'hui pour le prix d'un. 5 flèches de feu, c'est une flèche imprégnée du pouvoir des flammes, brûle tout ce qui les entoure en impact et sont particulièrement efficaces contre des éléments froids. Next. Ambre brute, c'est la régine végétale fusée d'aérule qui brille d'un éclat caramélisé, se porte un bijou, une certaine objet d'ornement depuis la nuit des temps. Ok. Alors, on fera pas croire qu'il y a rien sous le pont, hein. Voilà, déjà. Mais, voilà, hein, parce que ça... Genre, c'était bizarre. Oh, un coffre X. Oh. Une armure spectrale. Discrétion plus. Cette armure étant portée par un esprit maléfique que le seigneur du malin avait créé à son image. Il s'agit d'un article précieux et difficile à se procurer. Donc, armure spectrale, ben, discrétion plus. Putain, c'est énorme. On va tous les trouver, en fait, des armures spectrales et tout. What is that? Ok. Bon, bah, on va le faire aujourd'hui, puis après, on s'arrêtera là, hein. Oh, bah, ok. Bah, si c'est ça, ça... Ok. Oh, non, s'il te plaît, m'amène pas dans la zone où j'ai pas le droit d'y aller pour le moment. Oh, ici. D'accord, oui. Sorry. Trois Nokorogu, non mais en moins de 10 minutes ça veut rien dire. Non, Dinsei, tu m'as trouvé Nokorogu, cette petite nerf vous a donné un Korogu, c'est un pavard humide, pas un travail beaucoup, pas très bonheur, à la revoyure. A l'aide! Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Attendez, à l'aide, t'inquiète pas, on va te dire à l'aide, mais je veux juste te voir, non. Ouais, parce que je me suis dit, s'il y a un truc qui brille et qui ne se focalise, enfin, qui ne se déclare pas forcément. Voilà! Voilà! Et du coup, qu'est-ce que tu me veux, toi, maintenant? Oh, la petite Chico Green. Intendem, voici pour toi, étranger, accepte ce témoignage de ma gratitude. Chopi, sans lait, Max, quoi? Plus un cœur d'absorption et récup total! Restaure les cœurs et en confère davantage la grande simplicité de ce plat et le secret de son succès. Le sel relève le goût des champignons avec une grande délicatesse. C'est gentil de ta part! Mon nom, je m'appelle Chicorine. Mon métier, j'arpente le monde en étudiant les légendes d'Araconique. J'ai ouï dire qu'il y a qu'une rivière en forme de dragon coulée dans la forêt de Firon. J'ai alors entrepris ce voyage. Ah bah t'es motivé. T'es motivé. Bon, ben les amis, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Il n'y a pas de je pense, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, alors par contre, on n'a juste pas visité ce point-là. Ça prendra 10 secondes, mais... Voilà, c'est juste pour le marquer sur la carte pour pas avoir un trou à la con. Parce qu'on aurait pu peut-être avoir quelque chose ici, on sait jamais. Mais non, y a rien. Donc voilà, bah, écoutez les amis, du coup dans le prochain épisode, on ira tout simplement visiter ce... comment ça s'appelle bah, la plage, tout simplement. On suivra la route et on visitera la plage autour de tout ça. Donc en même temps, on passera dessous ça, parce qu'on se souvient qu'il y a... Enfin, il y avait un passage dessous ça. Ensuite, on ira là, voilà. Une fois qu'on... Alors, je sais pas si tout va prendre un épisode, parce que... Eh oui, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un camp ici. Un camp qui va, à mon avis, nous prendre beaucoup de temps dû à l'immensité de ce camp là. Donc voilà. Donc, et puis tout dépendra de ce qui nous restera à faire. Si on aura fini tout ça, ben, tout simplement on ira explorer la partie un petit peu avec le trou ici. Et une fois qu'on aura du coup exploré cette partie là, je pense que les amis, on pourra peut-être s'attaquer. Alors j'avais dit, j'aimerais bien quand même aller voilà ici. Donc ça sera notre prochain objectif. Voilà, on ira tout simplement se rendre ici. Voilà, donc pour du coup commencer l'exploration de cette zone, puis après de cette zone. Et du coup voilà, bah écoutez, merci de m'avoir suivi pour cet épisode. Et on se retrouvera du coup, bah, comme je vous ai dit en début de vidéo, pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine c'est un planning à thème. Mais on se retrouvera certainement pour la semaine d'après. Je pense pour la semaine d'après, pour rattraper un petit peu, on va dire, qu'il n'y a pas eu d'épisode pour la semaine prochaine. Il y aura du coup certainement deux vidéos, voilà, deux épisodes. Ça fera du coup l'épisode 149 et 150, logiquement. Donc voilà, bah écoutez, merci de m'avoir suivi pour cet épisode. On avance très bien, honnêtement. On peut voir que honnêtement on avance, on progresse de façon radicale, et ça c'est très bien. Et du coup, bah d'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde, hey, peace.